l'an dernier, à cette période-là, on était à peu près à 91 000 depuis le début de l'année. Là, on est sur du 96, bientôt 97 000. Donc, pour l'instant, sur l'année, on reste très, 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 très bien sur les pourcentages. En moyenne, par semaine, par rapport à l'année d'avant, on reste sur du 5 à 10% en plus. Donc, pour l'instant, ça se passe bien, même pendant la Coupe du Monde. Donc, bon, ça va. Là, en ce moment, pour le mois de juillet, du moins, oui, beaucoup de familles, étant donné qu'on a eu les Indestructibles 2 en début de mois, qui forcément a bien tourné. Et puis là, tout le mois de juillet, quasiment toutes les semaines, une nouvelle sortie pour enfants. Il y a eu L'Envol de Chloé, il y a eu Maya l'Abeille, et là, depuis mercredi, Hôtel Transylvanie 3, donc beaucoup de gros films d'animation américains qui forcément tournent bien en salle. Ouais. Oui, bah, c'est sûr que là, maintenant qu'on a passé tout ce qui était les événements, Coupe du Monde et compagnie, quand il s'agit de. Surtout là, avec la canicule qui vient de démarrer. Une petite salle à 23 degrés, ça fait du bien quand il fait 35 dehors. Pour les, en tout cas, les matchs de l'équipe de France, un petit peu la Belgique aussi, hein, vu qu'on est tout juste à la frontière. C'est vrai que pour ces matchs-là, c'était un petit peu plus calme. Bon, après, c'était dans l'après-midi, donc ça se ressentait pas forcément trop en soirée. Mais c'est vrai que le soir de la finale, bon, c'était plutôt calme.